Ils se sont donné rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun, cinéaste, comédien, cinéphile et amateur du 7e art, pour assister à la projection en avant-première du film de Jamel Azizi, intitulé « Fouilleur né ». Ça fait 16 mois que j'attends cette avant-première et je me suis bataillé pour que le public, les techniciens, les acteurs viennent voir le film et par la suite en parler. C'est le premier thriller algérien, si tu veux. C'est le premier encore parce que c'est le même genre film tourné entièrement à la Casbah. Et il y a deux écritures, une pour l'histoire, la thématique des films, et la deuxième, l'aspect politique des films. Un polar à l'américaine, un film policier qui raconte l'histoire de deux inspecteurs chevronnés et déterminés à éradiquer le phénomène de la drogue et de la consommation des stupéfiants dans le Grand Alger. Suspense, action et enquête criminelle, le film de Azizi nous plonge dans le quotidien des fonctionnaires de police pendant l'accomplissement de leur mission. C'est un polar et j'ai compris le rôle de l'un des deux inspecteurs de police qui fouillent, qui foutent leur nez entre guillemets dans les affaires des gros bonnets. Produit par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, Fouilleur né sera bientôt projeté dans les différentes salles du cinéma à travers le pays. Sous l'égide de Monsieur le ministre de la Culture, organisé par le Centre algérien de développement du cinéma, nous présentons un film qui a été produit par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel et soutenu par le fonds du FDATIC du ministère de la Culture. Il s'agit d'un long métrage de fiction, un polar du réalisateur et scénariste Jamel Azizi, avec des grands du cinéma comme Ali Zahri, Farslan, Ahmed Ben Issa, Mustafa Al-Aribi. Effectivement, c'est à chaque fois une joie que de présenter un nouveau film, que ce film puisse rencontrer son public et que ce public-là puisse interagir avec l'actualité cinématographique algérienne. Nous allons enchaîner dans les semaines à venir avec quelques autres longs métrages de fiction et documentaires également qui seront présentés en avant-première. En attendant l'avis du public, un autre film vient s'ajouter à la filmographie algérienne. La rentrée culturelle s'annonce plutôt bien. On revient sur ça avec la presse.